top 1 contre des duos. Donc ça veut dire que moi, je serai en solo versus des duos. J'espère que ce sera quand même assez facile et qu'ils sont quand même nuls. Bon, je suis niveau 260, donc c'est pas sûr qu'ils soient super tous nuls. Donc pour ça, je mettrai un skin petit tryhard qui vont croire que j'ai gagné les FNCS. Voilà, je crois que j'ai gagné les FNCS. Donc voilà, je suis bien en duo, ne pas combler. Donc c'est parti. Mais juste avant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, c'est super important si vous voulez me soutenir. Donc le 3P, il y a Star Wars, donc et donc Avatar partira. Bon, ça c'est vraiment super bien parce que comment dire que je déteste les trucs d'Avatar. Enfin, c'est trop cheaté. Encore juste avant, j'avais fait une game, j'avais Kron, j'avais été kill par un truc d'Avatar. Enfin, le pouvoir de la terre. Le seul pouvoir que je trouve pas trop cheaté, c'est le pouvoir de l'air. C'est le seul. Le pouvoir de l'eau, il est encore cheaté. Bon, on va aller à mon petit spawn pour les FNCS. J'espère qu'il n'y aura personne. Moi, je serai toute seule versus des duos. Ça va être chaud un peu. Faire une petite danse. Petite lampe de top à couronner. Wow, c'est facile de faire des top à couronner, hein. Regardez les gens, j'en ai 28. Enfin, je dis ça parce que quelqu'un m'a volé ma couronne une fois, j'avais fait deux tompas d'affilée et du coup après il m'avait volé ma couronne, donc ça se faisait mal. Okay. Bon. N'hésitez pas aussi à aller voir la vidéo où je fais croire que je suis AFK alors que pas du tout. Et comment dire qu'ils ont bien marché dans le piège. Bon. Pour moi, le truc le plus dur, ce sera que comme ils vont pouvoir se réanimer et que moi, je pourrais pas me réanimer. Du coup, si je me fais kill, c'est retour au lobby. Donc, j'aurai le droit à deux chances. Donc, c'est parti. Si j'arrive à faire top 1 du premier coup, bah, ce serait génial. Si j'arrive pas, ben, dans une prochaine vidéo, j'essaierai de faire le top 1, donc ce sera mon deuxième essai. Donc déjà, je vais récupérer un pouvoir de l'air. Je pense que ça peut être une bonne idée. Je vais prendre les deux. Parce que les gens, après, au moins, ils en auront pas pour leur duo. Voilà. Et je vais le cacher à mon spawn. Enfin, là où j'ai le loot. Si j'ai pris les barils, c'est tout à fait normal. C'est parce que, en fait, je prends pas les barils spécialement là-bas. Parce que ici, je peux trouver beaucoup de shield. Vraiment, c'est une très bonne maison pour trouver du shield. Ouah. Vraiment, il y a plein de barils partout. Donc, voilà. Si vous voulez que je fasse pour la prochaine vidéo, faire le même concept, mais sauf qu'on sera contre des squads, si vous voulez, mettez-le dans les commentaires si vous voulez que j'appelle quelqu'un et on va essayer de faire top 1 contre des squads, enfin avec la City, puisque j'ai déjà parlé de ce concept un peu. Ah, là, on va le drop. Allez, petite pompe. Donc, là. Ouais. Si, petit pistolet, c'est vraiment. On dit que c'est nul alors que c'est trop bien, mais ça fait plus de dégâts que la nouvelle PM. Donc, déjà, j'ai une PM, j'ai une AR. Ouais, j'ai un pompe. Voilà. Hop, voilà. Sauf il est bien rangé et tout le bazar. Voilà, déjà petit pont bleu. Wow. Pardon. Ok. Oh non, j'ai oublié de changer de revêtement. Ouais. Bon, ça fait full bleu maintenant. Voilà. Je sais pas si.
si vous aimez le bruit de la pioche, moi j'adore trop son bruit. Trop, c'est trop un bon bruit. Bon, on ouvre le petit coffre. J'avais fait... Ouais, sans viseur, ce serait mieux. En fait, non, j'ai gardé celui-là. Je crois qu'il a... Ouais, bon, ça change rien. Il y a un coffre ici. Moi, je vais me dépêcher parce qu'il n'y a pas la zone. Déjà là, je suis top 60. Enfin, top 32. Et que, comment dire, j'ai pas encore vu... Enfin, j'ai pas encore vu beaucoup de gens qui se réaniment, j'ai l'impression. Enfin, dans la file. Bon, je vous dis d'habitude, je passe jamais par ce chemin-là, mais pour changer, je me dis que peut-être que l'autre chemin, il serait un peu conteste. Parce que je vais passer par le Mont Olympe et que le Mont Olympe, c'est peut-être conteste. J'ai pas tenté, mais... J'essaie de faire des kills vers Fancy. Est-ce que vous avez hâte de la nouvelle saison? Moi, j'ai trop hâte. Enfin, cette saison, je trouve, elle était vraiment bien. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui ont dit, ouais, elle est nulle, elle est nulle, elle est nulle. Et après, ils l'ont trouvé trop bien et tout. Enfin, moi, c'était pas mon cas, je la trouvais directement bien. Bon, après... Ah, voilà ça. Ça, dans les fights, le petit problème, c'est qu'en fait, ils vont être comme ça à deux à me rush. Donc, je ne saurais pas où mettre la tête spécialement. Faudrait que je trouve une grosse spot. Donc je disais, c'est peut-être pour vous là, au début la saison, elle vous paraissait un peu nulle. Après vous l'avez trouvée bien. Moi c'était pas mon cas, je trouvais directement bien. Je sais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas aimé, peut-être parce qu'ils ont trouvé que c'était un petit les éclairs de Zeus, c'est tout. Personnellement, ouais, je déteste le truc que j'ai le plus détesté de la saison, c'est les Eldicar. Enfin, les Eldicar encore c'était pas trop cheaté, moi je les utilisais tout le temps. Les pouvoirs d'avatar, ça c'est sûr, c'est trop cheaté. Après, on va voir ce que le truc Star Wars va donner parce que si c'est cheaté, j'aimerais pas trop. Enfin, ouais, j'aime pas tout ce qui est cheaté là pour féliciter les gros bots humains là qui savent pas jouer avec les armes. Donc, je vous dis, j'ai fait une vidéo bien sûr où je déstack les pouvoirs. Et comment dire que c'était pas pour cheater ou quoi? Je trouvais que c'est parce que c'était pour le défi. Sinon, moi, je n'aime pas les utiliser. À part le pouvoir de l'air, c'est le seul dès que j'en vois. Comment dire que je saute dessus si j'en ai pas. Moi, ouais, je suis en allée hors zone. Toute façon, je ferai une vidéo pour voir ce que c'est la chose de Star Wars qui arrive le 3 mai. Donc, au moment où je filme la vidéo, c'est le 2 mai. Donc voilà, donc juste si vous entendez genre que je parle comme ça, un peu avec le nez bouché, c'est normal, je suis malade. Donc voilà, oh non, il y a quelqu'un. Oh purée. En fait, non, je vais partir plutôt. Ok. Donc en ce moment, les vidéos, vous entendrez que j'ai le nez bouché parce que je suis un peu malade. On va aller à Restoraid. Ben, oh purée, je viens de voir une voiture passer vers Grimgate. J'ai deux kills pour le moment, j'ai kill YouTube. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rare Orange. Ouais, mon truc il a encore un sort de fils. Allez, à Restoraid. Je vais faire d'abord, je vais récupérer les petits. Ouah! Il prend des dégâts de chute. Voilà, prendre la petite arme. C'est sûr, ça a déjà été loot, mais c'est quelque chose ou quelqu'un. Oh. Je sais pas si vous aimez aussi le bruit, moi j'adore. Ah. Attendez là, par contre, on... Ah. Bon, t'as personne ou c'est moi qui rêve? Eh oh, faut que je fasse des kills quand même pour voir si c'est difficile de gagner en duo versus solo, enfin en solo versus duo. Bon.
grande. Pour le moment, il n'y a personne. Je trouve que c'est bien et pas bien en même temps parce que bien pourquoi j'ai pas trop à me faire être contre des duos, mais pas bien parce que comment dire que je veux voir un peu aussi si ils voient quelqu'un est solo et ils vont le sauter dessus, ils vont faire quoi. Bah oui, je trouve avoir un assez bon niveau pour pouvoir faire la solo versus duo. Enfin, je trouve que vraiment. Là, j'ai l'impression que même au niveau 260, ils sont pas super sévères. Bon. Waouh! J'hésite, je prends quel PM? Bah, je prends la PM légendaire. C'est vrai que je me pose des questions qui n'ont pas à se poser. Il faut le boss. J'hésite à aller. L'impression de les voir. Bon, c'est parti, je vais aller au bunker parce que je crois que c'est ce serait mieux. En plus, je pourrais changer le visage de mon arme. Ils l'ont récupéré, le médaillon, ou alors c'était d'autres médaillons qui avaient déjà un médaillon. Bon, je pense qu'ils vont venir au bunker, c'est quasiment sûr. Je vais très vite ouvrir tous les coffres. Hop. Vite, il faut que je me dépêche, ce qui sera d'arriver. Je sais pas s'ils arrivent ou quoi, mais faut que je me dépêche parce que s'ils arrivent. Puisqu'ils ont le médaillon, déjà qu'ils auront l'avantage. Ils seront à deux sur moi. Ouais, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Faut pas que je le tente. Ils se fight en même temps, donc ce que je vais faire, j'essaie de les éviter. Mais ouais, leur but était d'aller au bunker, mais bon, il a été rasé déjà. Je crois pas qu'ils vont trouver grand stuff, de grand stuff ou quoi. Ils vont plus trouver des trucs bleus qu'autre chose. Ouais, ils sont bien derrière d'y aller parce qu'ils sont vraiment bord de zone niveau du bunker. Donc ouais. On va aller au moulin. Je pense que ça serait bien. Faire un petit détour juste pour voir ce qu'il y a dans ce coffre. Et en même temps pour recharger mes armes. Hop. Bon bah des balles de pompe, c'est toujours ça. Oh mais c'est un meilleur médaillon parce qu'il a une petite tête de mort, donc on va dire c'est très très bien. Ouais, il y a quelqu'un. Je crois que son pote avait été kill. Ou il faisait comme moi, il faisait de la soleil versus duo. J'ai pas vraiment de heal à part le fizz, mais bon, il faut quand même avoir minimum une PM, une AR. Waouh, bah en fait, ça sert à rien d'aller ouvrir ce coffre. Enfin, il faut avoir minimum une PM, une AR, un pompe, donc ou alors à la place d'une AR ou une PM, un sniper. Mais il faut avoir au moins un des objets que j'ai cités. Mais bon, on va. Oh, j'ai entendu des gens. Ouh, j'ai entendu des gens. Ouh. Purée, l'île volante, elle est à côté. Ah non, ça va. 84. Mais ouais, ils sont tous perdus. Hop. Mais j'ai l'impression que là, il n'y a pas de duo. J'ai l'impression qu'il n'y a que des solos. Là-bas, il y en a au pouvoir de l'air. Bon, c'est quasiment la dernière fois que je vais jouer avec le pouvoir de l'air, puisque dans 19h, il part. Je pense pour après qu'il y ait le truc Star Wars. Donc, en vrai, je sais pas trop.
Oh, j'étais à rire. Donc, je vais me rapprocher du centre zone, ça va être vers la gare. Je vais bien garder une petite tête de mort si on sait jamais, je vais prendre des dégâts de chute. Bah, au moins, je. J'en prendrai pas. Oh zut. Oh non, je dis, j'ai pas à l'utiliser. Bon, c'est pas grave, deux têtes de mort, ça devrait suffire. J'espère qu'il y a quelqu'un qui me tape un bullfight et après, comment dire que j'aime pas trop taper des bullfights en game. Ouh! D'abord, j'ai focus lui. Et puis, j'ai focus lui. Wouah! Je vais mettre le fizz. Je vais prendre le petit snipe, c'est logique que je vais prendre le snipe. Moi qui adore le snipe et qui joue plus au sniper lourd en créatif. Ouais. En fait, moi je joue en créatif surtout quand je fais de la red versus blue. J'utilise plus le snipe, enfin voilà. Pour m'entraîner au snipe. Et qu'on va dire qu'on les voit, il a bien évolué. Ah. Entre. Ah ouais, mais en fait, ce proche casse l'armoire que. Donc top 8. Enfin oui, en fait ils sont tous. Il y en a. Ah j'ai plus qu'une tête de mort. Il y en a un solo comme moi et le reste c'est des duos. Voilà le solo je crois. Je crois bien que c'était lui solo. Bah non. Wow. Allez. Oh zut. Non, il n'y a rien d'intéressant. Il y a quelqu'un qui vient me rush. Oh, je vais partir parce qu'il commence à bulle et tout. Moi, j'aime pas ça. Ça sent mauvais. C'est un gros spammer, c'est tout. Oh non. Ben, je vais partir par la station essence, je suis obligé. Au moins, ce sera pas, si je fais top 1, ce sera pas un top 1 0 kill, mais 8 kills. Déjà, c'est mieux. En solo, je fais pas autant de kills. Enfin, j'aime pas trop. C'est plus important le top 1 qu'autre chose pour moi. Top 5, donc ouais. Déjà, j'aurais pas fait un très mauvais top. Si je perds maintenant, c'était déjà un très bon top. Enfin, je trouve. Les gens qui sont des duos versus moi en solo. Ok, top 4, top 4. Je suis à ce. Top 4. Donc, ça veut dire que. Si moi je suis en solo. Déjà, c'est sûr qu'il y a des solos. Ça, c'est sûr. Donc, si on est top 4, c'est-à-dire qu'il y a un duo et trois solos. Donc, c'est-à-dire que. Deux duos et un seul et trois, enfin deux duos n'importe quoi, un duo et trois solos, donc dont moi dans les trois solos, donc sinon si c'est tous les autres gens, ben c'est deux, un duo et deux solos, enfin sans me compter dedans. Mais je crois que c'est ceux qui ont le médaillon qui sont en duo parce que je les vois souvent rester ensemble. Oh non. C'est qui a essayé de me tirer dessus? Faut pas que ça commence maintenant. Ah. Ils ont tout laissé. Tout ce qui était bien dans le bunker, ils l'ont laissé. Top 3, top 3. Donc, on va dire, c'est. Il y a deux. Deux solos, dont moi, et un duo, donc je pense que c'est le médaillon duo. Parce que c'est bizarre qu'ils se fightent pas entre eux. Ok.